Clara Gabor, on est ici à Hénin-Beaumont. Vous avez joué Lyon, match de demi-finale Coupe de France féminine. Pour Hénin-Beaumont, c'était un match de gala après le parcours en Coupe de France, hein, je pense. Ben, c'est pas trop un match de gala, on l'a pris au sérieux, comme un match à peu près normal. C'est vrai que la différence de niveau, elle était, on peut dire, extrême un peu, mais bon, voilà, on est venu avec l'optique quand même de gagner. Après, tout peut se jouer sur un match et on est assez satisfaite d'avoir rien lâché jusqu'au bout et après on va se reconcentrer sur le championnat qui est une priorité quand même pour la remontée en D2. Oui. Jouer contre Morgan, Le Sommaire, Abili, Marojane, ça fait quoi? Ça fait bizarre, surtout que c'est des filles que j'estime beaucoup, c'est des filles que je regardais souvent à la télé, dont je rêvais de rencontrer aussi parce que j'avais jamais vu en vrai. Et de jouer contre elles, ça m'a fait un choc quand même, on peut le dire. Mais j'ai rien lâché du début à la fin, j'ai fait mon match, je me suis dit que je les verrais bien à la fin du match, mais c'est vrai que de se retrouver face à Alex Morgan, ça fait tout drôle, mais bon, je l'ai pas laissé faire non plus, je me suis défendue, et voilà, c'est le principal. Oui. Vous avez quand même fait quelques belles arrêts, hein. Oui, c'est mon rôle, hein. Il y a des attaquantes qui ont fait des belles actions, mon but c'était de prendre le moins de buts possible, après arriver à 10-0, c'est vrai que c'est un peu lourd, mais voilà, on n'a rien lâché jusqu'au bout et c'est le principal, c'est d'être resté soudé surtout. Et maintenant, en championnat, qu'est-ce qu'il reste à faire pour Hénin-Beaumont? On va jouer Saint-Amand, après il nous reste encore Longo, il nous reste à peu près 4-5 matchs retour, on verra ce que ça en donne, mais le plus important c'est les matchs de barrage qui nous permettront aussi de faire une montée en D2 et on attend ça avec impatience aussi, c'est notre objectif premier depuis le début de saison. Ok, merci bien, bonne chance. De rien, merci beaucoup, au revoir.